Bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Gameplay. Suivez-moi et plongeons ensemble dans le monde apaisant de Pool Cleaning Simulator. Ce jeu de simulation unique offre une expérience immersive et relaxante du nettoyage de piscine et il vient tout juste de sortir sur Steam. Préparez-vous à transformer des piscines sales en oasis étincelantes. Relevez de nombreux défis de nettoyage dans des environnements variés, qu'il s'agisse de luxueuses piscines d'arrière-cour ou de grands complexes communautaires. Pool Cleaning Simulator est développé par Rubens Games et il est publié par FreeMind et Playway. Ces studios sont situés à Cracovie, en Pologne. Et avant de démarrer le gameplay, je tenais à remercier personnellement tous ceux qui mettent des pouces en l'air sur chacune des vidéos. Merci, ça me donne énormément de force. Je vous vois. Merci beaucoup. Nous voilà de retour sur le jeu Pool Cleaning Simulator pour un nouvel épisode. Ce que je vous propose, c'est de prendre une nouvelle mission. On va regarder dans nos mails qui nous propose une mission. Tommy, qu'est-ce que tu as? Canard partie 2, ok, donc j'ai besoin de quoi? Filtre, c'est bon. Seau, j'ai besoin de seau. J'ai besoin de chlore, je crois que j'en ai plus dans la bouteille. pH plus, pH moins, on va vérifier ça, parce qu'ils me disent 1 sur 1 la bouteille, mais je pense qu'elle est vide. Hein. Tout à fait, elle est vide, ok. Alors, on va acheter un seau déjà. C'est bizarre, je pensais en avoir un, mais... Ah, c'est un seau en métal, l'autre, ok. C'est pour ça. Je rachète du chlore. Celle-ci, donc, elle est vide. Je peux l'acheter à la poubelle ou pas? Non, absolument pas. D'accord, bah, je vais la mettre là-bas. Je pense que ça va bloquer, sinon. Ok. Elles seront remplies, non? Non, non. Okay, ok, savon. Très bien. Donc là, ma livraison est prête. Donc là, j'ai du chlore avec 20 sur 20. Très bien. Ok, ça. C'est vide aussi. Donc, ça va où là? Ça va là. Parfait. On va passer commande. Alors, il est où le chlore? Petit maillot de bain là. Il y a des choses sympas. Conteneur de chlore. Ah, ça n'a pas voulu. Voilà. Le livreur est passé. On remet carrément tout à niveau. Là, il y a combien? 13, c'est bon. Là, 9. Ça devrait le faire. Ici. Le seau. Ah oui, gros seau. Et pour cette mission, est-ce qu'on est bon? C'est pas dans la boutique qu'il fallait aller, c'était ici. Tournevis, filtre, seau, thermomètre, chlore, pH+, pH-, bouteille de chlore, on est bon. Let's go pour la mission Canard 2. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'était la toute première de la série, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi, elle était très sympa. Il y avait un défi dans le défi, donc se débarrasser des saletés dans la piscine. Ok, on va remplir ça, on va prendre l'éponge, donc ça ne coule pas, c'est que c'est déjà plein. C'est parfait. Let's go nettoyer la piscine. Oh, piscine pleine de canards. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire la petite capture d'écran d'avant nettoyage. Ça, c'est pour mettre en miniature. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la faire comme ça, dans l'angle de la piscine. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Avec plein de petits canards là-dedans. Allez, capture d'écran, une ici. Et puis une à l'opposé là, une dans cet angle là. Allez, une vers la cabane. Voilà, là c'est pas mal ça. Là c'est pas mal, on va se la faire comme ceci. Ok, les deux captures sont faites, ça va les gars? Alors on a peur? Ah, ils ont peur, ils ont peur. Allez, go nettoyer, on y va. Karcher ou éponge? Là, les petites, la piscine, je pense qu'au Karcher, ça peut le faire. Hein. J'ai pris l'éponge, mais ça va tellement aller vite avec le Karcher. Ouais, honnêtement, ça va aller très vite. Ok. Je remets le HUD. Voilà. Tac, tac, tac. Ici. Donc, on voit tout ce qu'il y a à nettoyer. Ok. On décale un peu, ça c'est bon. Les petits canards, vous n'allez pas gêner bien longtemps. Hop, ça vole. Tiens, il y a un objet au fond là. C'est quoi? Allez, je le récupère.
Ok, ça devait être une quête secondaire. Je pense qu'on en saura plus un peu plus tard dans l'épisode. Je continue le nettoyage ici. Désolé pour la chaise. Petit canard, ça dégage. Ok. Voilà. On va faire ce qu'on peut ici, puis après je vais aller au fond. Et on va tous les dégager aussi. Tac, ici. Ouais, ça va super vite sur cette petite piscine. Hein. Ok. Il reste quoi, 14%, 11% à nettoyer, ça doit être là. Ouais, je pense que c'est là. Hop. Oula. Oula là, la méta. Voilà. Ok, c'est ici. Ah oui, bah il y a tout ça là. Ok. Il aime pas quand je suis au bord le jeu. Ok, ok. Effectivement, les petits canards ont bien gêné le Karcher. Là. Ok, installer les lumières de la piscine. Donc ça, c'est bon. C'est fini de nettoyer. On va aller ranger le Karcher. Et pour installer les lumières, c'est où? J'ai pas acheté de lumière. Ah, c'est là. Alors, 1, 2, on la place. 3, on visse. Ok, je vais prendre le tournevis. Allez, toi, tu vas faire un petit vol. Oh! Ah, le voisin me l'a ramené. Il a volé loin, ouais. Karcher ultra puissant. Oh, le petit joujou. Le petit joujou que je vais voler pour les enfants. Hop. Ouais, dans le jeu, il y a des enfants à la maison qui m'attendent pendant que je vais chez mes clients. Voilà, on pique un petit joujou, comme dans le premier épisode. Non, c'est pas ça que je voulais piquer. Il est où le joujou? Ah, il y a des traces, là. Il est où le joujou? Quoi? Il a disparu. Oh, le bordel. Bon, bah... Ah si, il est là. Il est là, il est là. Voilà. Dans mon camion. Donc, j'ai dit le tournevis. Il veut pas venir dans la main. Toi, tu gênes un peu. Je vais te repousser un peu plus loin. Voilà. Donc là, il y aura une trace à nettoyer, je pense. Ah oui, il y en a plusieurs des traces. J'ai pas tout nettoyé, là. Ok. Alors, ça va comment? Comme ça. Yes. Et ensuite, on visse. Ok. Tout simplement. Let's go, deuxième. Il en manque une, là j'en vois que trois. Ah, elles ont chacune leur position, donc c'est celle-ci. Faut être super précis sur la vis. Hein. Très bien, troisième. Là. Il veut pas. Quoi? Comment ça il veut pas? Super. Ok, et le quatrième il est où? Ah il est là. Qu'est-ce qu'il fout par terre? Ah ouais, bah là il veut pas là. Et pourquoi tu veux pas? Quoi? Je comprends pas le bug là. Ok. Il y a... Ah, il y a peut-être... ça qui gêne là. C'est ça qui gêne dans la méta. Ok, c'était ça. Ouais. Je n'ai pas vraiment... Très bien, on a trouvé au moins la solution. Donc ici, ça va être un peu plus galère parce que j'ai pas mon Karcher avec moi, mais c'est pas grave. Elle est où la quatrième? Elle est là. Ah bah là, ça passe. Bizarrement. Ça a débloqué la situation. Ok, dernière lumière de poser. Quelle est la prochaine mission? Mettez sous tension, donc ça va être dans le local, j'imagine. C'est ça. Ça, c'est un plan bizarre. Ouais, ça doit être ça.
C'est ça, remplacer le filtre de la pompe de la piscine. Ok. Je reprends mon petit Karcher ou mon éponge, là je vais nettoyer. Allez, je vais le faire à l'éponge. On va éviter d'utiliser trop d'eau. Je pose ça, je prends un filtre ici. L'éponge. Voilà, le client sera content. Très bien. Ici, j'en ai vu aussi. Nettoyons bien. Hop, on avance. Ok. Non, je te récupère, toi. Alors. Presque bon. Voilà. Il décidément à chaque fois. Ok, il y en a partout en fait. C'est pas la bonne touche, c'est celle-ci. Ok, je sais pas ce que c'était ça, mais on l'a pris. Très bien. Hop. C'est une mission dans la mission, ça. Peut-être qu'on me l'aurait donné après. Ok, ok. Ensuite, remplacer le filtre. On y va. C'est ici. Parfait. Verser de l'eau, c'est là. Les petits canards. Oh là. Tiens, dans la piscine. Sympa ces petites lumières, hein. Est-ce qu'il y a encore des zones sales? J'ai pas l'impression ici. Ici, c'est plutôt très propre. Et devant, là? Non, ça a l'air bon. Je repose l'éponge. Alors, utiliser le thermomètre, effectivement. Thermomètre. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le filtre, ok. Thermomètre. Bon, faut pas qu'on le perde, hein, lui. Un canard au milieu des canards, ça va être compliqué à retrouver. On va le mettre là. On va bien le voir. Ouais, ça va le faire. pH. pH, on est bon. Chlore. Il faut du chlore. Let's go, let's go. On va chlorer tout ça. Ok, ça monte tranquillement. On est pas mal, on en met un petit peu plus, le client sera content. Voilà, le chlore c'est bon, je vais aller ranger ça. Le pH on est bon. Chlore, on range ça. Aussi, le thermomètre il indique quoi? Oui, papa est là, papa est là. Il aura toujours lui. On est à 23 degrés, il faut être à 32. Donc on te laisse te baigner. Et on va activer ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, le fameux WD-40. Là, c'est du SF-40. Ça ressemble étrangement, ça ressemble beaucoup. Ok, récupérer les canards, restant 200. Oh là 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 là. 200 canards en caoutchouc à récupérer. Eh ben, on est prêt. Est-ce qu'on est prêt à ça? Pas sûr. Alors, les canards en caoutchouc, je pense que je vais vous accélérer ça, sinon ça va être terrible. On en fait 2-3 ensemble et après on les accélère. J'imagine qu'en plus il faut les ranger par catégorie. Un peu la flemme là, normalement. C'est quoi ça? Enfin, comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, l'enfer. Est-ce qu'il râle si je le mets pas au bon endroit? On essaye. Genre je mets un blanc ici. Bien sûr qu'il râle. Ah ouais, en plus. En plus, il est fine bouche. Hop. Ok, bah je vous l'accélère. Et puis, on se reprend dès que c'est fait.
Allez, le dernier canard est là, on le pose. Et mission accomplie, trouver les plans. Il en reste 8, donc faut trouver des morceaux de plans qui sont cachés tout autour de la résidence, j'imagine. Ok, là. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a caché ici? Oui. 6 plans. Ouvrons bien les yeux. Un là. 5 plans. Je suis sûr qu'ils sont très très bien cachés pour certains. Alors. Là. 4. Ah. Alors, valait pas plusieurs, ça. Ok, ok. Je regarde bien derrière les plantes partout. Ça, c'en est pas. Encore 4. Ah ouais. Ils doivent être vraiment bien cachés. Là. Il y a un parapluie là-haut. Ah non, c'est un parasol. Plus que 3 plans à trouver. Ouvrez bien les yeux avec moi. 2. Ok, celui-ci c'en était un. Déplié du coup. Là j'en vois plus. Alors les deux derniers peuvent être sous les plantes. Non. Ça va être quelque chose à trouver. Ça, non. Bon. Oh, j'ai cru que j'en voyais un là-haut, non. 2, vraiment. Ah, je suis aveugle. Ok, on va faire vraiment zone par zone. Je fais toute la pelouse, là. Ça va, toi? T'as pas vu un plan? Non. Eh ben c'est ciao. Ok, ok. Là y a rien. Dans la piscine, je ne vois rien. Sur le côté non plus. J'ai dit que je faisais toute l'herbe. Là non plus. Sur la baraque, la cabane, non. Je continue de longer cette herbe. Je ferai le retour après. Dans l'arbre, non. Là non plus. Ah là. Ok. Dans les plantes là. Je n'en vois pas. Là. Non plus. Je check vraiment partout. Dans le toit. Non. Ok. Donc dans l'herbe, a priori, il n'y a rien. Maintenant, les gouttières, les toits. Je ne les vois pas. Enfin, je les vois, mais je vois pas de plan. Ah, non, je crois qu'il était là. Non plus. Hop, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Ben moi je le vois pas hein. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il serait pas sur le parasol de l'autre côté? Genre là? Non. Ça aurait été drôle ça. Ok, et le bout de toit là non plus hein. Je recheck ici quand même au cas où. Bien caché le dernier hein. Très très bien caché. Ok. Je check tous les arbres. J'aime bien les chasser. En dessous là, non. Sous la table, non. Sous les chaises. Celle-ci, elle se bouge, donc il n'y a pas un truc à faire. Ah. Si je fais ça. Est-ce que
que je peux faire ça? Non, pas spécialement. Je confonds avec Hello Neighbor. Oh, la dinguerie, c'est derrière la porte, non? Non. Ah, le dernier, il est costaud à trouver. Hein. Toujours, toujours. Quand on va l'avoir, on dira, ah bah oui, c'était évident. Donc, il est pas là. Eh, c'est une folie, hein. Je peux pas aller jusque là. J'ai l'impression d'avoir tout fait déjà. Les rebords de clôture. On va être imaginatif. Non plus. Je vais faire vraiment toute la périphérie de la map. Ah, je suis bloqué. C'est bon. J'étais un peu bloqué. Ça s'ouvre pas, ce serait marrant que ce soit à l'intérieur de la maison. Là non plus. Ok, je check les pots de fleurs au cas où. Le flag non plus. Non mais c'est une folie. Ça c'est assez plaisant en vrai, hein. Moi j'aime bien chercher comme ça et tout. Même si ça prend la tête de chercher pendant deux... Ah mais il était là, non? Non? Ah non. C'est la lumière. Ah, j'y ai cru. Purée, il est sous nos yeux, c'est sûr. Mais où? Au fond d'un des bacs? Ça aurait été exceptionnel. Je regarde depuis la piscine si je le vois. Et je l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas du tout. C'est une dinguerie. Hein. On va couper cette musique. Ah, il était là. Il était là. Ah, les vicieux. Eh non, mais sérieux, vous l'aviez? Je suis sûr que non. Impossible que vous l'ayez. Balèze si vous l'avez. Allez, on le prend. C'est fait. Ok, terminé. Mission accomplie. On va prendre l'email et on va faire compléter. Et ben voilà, mission accomplie, sixième mission dans ce jeu. Merci d'avoir regardé cet épisode et on verra si on continue l'aventure un peu plus tard dans l'été. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, même si on ne continue pas forcément l'aventure. Je dis qu'on ne continue pas forcément parce qu'en gros, sur les missions là... ah si, on a des nouvelles. Si on pourrait. Ok. J'allais être médisant en disant que comme il y a des bugs sur certaines missions là, j'ai pas envie de les refaire. Et on est bloqué, mais non, on n'est pas bloqué. On pourrait refaire, effectivement, c'est quoi, les canards, en partie 3. L'hôtel, on a déjà fait les deux. Et c'est tout. Donc on aurait canard partie 3, éventuellement, et sinon, on aurait parc aquatique partie 9. Ah si, allez, on en refera d'autres. À très bientôt pour la suite, alors, de ce jeu. On a encore deux missions à faire, donc on fera sans doute l'une des deux, voire les deux. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode de Power Gameplay dédié au jeu Pool Cleaning Simulator. Si tu as aimé ce jeu et que tu souhaites toi aussi jouer à sa démo, je t'ai mis le lien Steam vers la page du jeu en description. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, cela m'aide dans le référencement de cette jeune chaîne. C'est totalement gratuit pour toi et moi ça m'aide énormément, alors merci à toi. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochains épisodes de Power Gameplay. A très bientôt pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, ciao !